La chute de sa tension artérielle. Médina, serai fous que speris un du cop. L'ujou d'as tres passa, sera si ou dilas. Caraunia. Si brugna e ne fa un abito se la fringar ma pugno fa di cargare o la vino la fringando se va a pausa un pesa giustificato e per noi un giacqua scale va chiesa mi va stato un che pare che il suo mano se va su per un segato cosa pur mi sente sfa da che lo manco fanno ma spocca e la rembuia al meglio la resli Thank you.
Camarade d'Ariège, moi ça me parle beaucoup ce qu'il a dit par rapport finalement à ce gros bloc, on va dire l'époque, qui nous mène droit dans le mur et en gros à l'effondrement des écosystèmes et à l'effondrement peut-être encore plus dramatique des états d'âme, on va dire, de la psychologie humaine. La catastrophe elle est aussi en nous, elle n'est pas que dans la nature, elle est beaucoup plus profonde de nos chairs. Et si on se considère pas très à la hauteur de ce qui nous arrive, est-ce qu'on pourrait pas non plus, par exemple, regarder dans l'histoire des luttes qui ont été victorieuses? Par exemple, je pense aux fuites des esclaves marrons dans les forêts ou aux Black Panthers Party qui, eux, en effet, avaient un territoire. Nous, on essaye d'avoir un territoire, mais on peut pas dire qu'on a un territoire qui nous appartient et auquel ce territoire nous appartient. Et finalement, si on relit par exemple les grands textes de Frantz Fanon, il disait les luttes, les résistances, elles ne partent pas simplement de la conscientisation des masses. Ça, c'est quelque chose qui marche rarement. Elle part des tripes, en quelque sorte. Elle part du muscle. Il disait la révolte, elle est d'abord musculaire. C'est pas quelque chose où on arrive à se conscientiser mutuellement petit à petit, à enfin nous allons résister à un moment donné. C'est un acte immédiat, de réponse directe qui dit aujourd'hui, ici et maintenant, nous entrons en résistance.